Aujourd'hui, les amis, je vais essayer de faire éclore les mystérieux œufs de dinosaures. Je compte sur vous, les amis, pour liker cette vidéo. Mais juste avant que la vidéo commence, je vais offrir un cadeau à un abonné. Salut, Moha. Allez, c'est parti, je t'envoie ton pass de combat. Sérieux ? Oh, merci. Et voilà, normalement, tu l'as reçu. Oh, super, merci. Je vais essayer tous les jours de vous offrir un maximum de passes de combat et nouveaux skins de la saison 6 pour vous remercier de regarder mes vidéos. Donc dépêche-toi de mettre le code COCO, K-O-C-O, dans la boutique Fortnite. Et action! L'expérience d'aujourd'hui, les amis, c'est on va essayer, bien sûr, d'éclore les œufs de dragon. Comme vous le savez, dans plein d'histoires légendaires, dans plein de films, quand on réchauffe des œufs, bah tout simplement, ils éclosent. Surtout les œufs de dragon, les œufs de dinosaures, etc. Il faut les faire chauffer. Dans plein de mythes, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai le matériel qu'il faut. J'ai un bidon d'essence. Malheureusement, les amis, on peut pas déplacer les feux de camp, mais bon, c'est un peu le concept. J'ai un bidon d'essence, j'ai des lucioles, j'ai tout ce qu'il faut pour réchauffer les œufs de dinosaures. Ah, on est arrivé, les amis. Nous sommes arrivés à l'endroit secret de Fortnite, l'endroit très très mystérieux où se cachent les légendaires œufs de dinosaures. Regardez-moi ça, les amis. Il y en a trois. Il y en a trois. Ça me rappelle, vous savez, les œufs de dans Game of Thrones de Daenerys. Et d'ailleurs, dans Game of Thrones, pour que les œufs éclosent, eh bien, il a fallu que Daenerys brûle avec les œufs dans une maison qui était en feu. Et à ce moment-là, les œufs ont éclos. Donc, il y a vraiment, vous savez, une certaine légende avec les œufs de dragon, les œufs de dinosaures, où il faut tout simplement les faire brûler, les faire réchauffer pour qu'ils éclosent. Et voilà, j'ai eu cette idée ce matin. Donc, on va essayer ça tout de suite. Oh, oh les gars. Ok, je suis choqué. Quand on se rapproche des œufs de dinosaures, on entend un battement de cœur. Écoutez les gars. Non mais c'est incroyable. Ok, là c'est la preuve qu'il y a vraiment une créature dans ces œufs. Putain, mais c'est incroyable. Je stresse un peu les amis parce que si ça fonctionne, c'est quand même un truc de malade qui va se passer, hein. Vraiment, tout Fortnite mondialement va en parler. Imaginez, on arrive à faire éclore les œufs, ça serait un truc de ouf. Bon allez, pour commencer, je vais manger une banane. Oui, je suis une banane qui mange des bananes, j'ai le droit. Allez, c'est parti. On va casser ça. Voilà, on va préparer le terrain, les amis. Voilà, j'ai pas envie que ça échoue. Ça, on va le prendre. La potion, on va la boire. On prépare le terrain tranquillement, les amis. Ok, mais regardez-moi cette carcasse. Qu'est-ce que c'est que cette carcasse? On dirait la mère des dinosaures qui est mort en protégeant les trois œufs. C'est incroyable, vraiment. Les petits mystères comme ça que Fortnite place dans le jeu, c'est vraiment ouf. Ça nous permet de nous créer un peu des histoires. Même si on sait en grande partie que ça reste que des théories, hein, ça nous permet de nous créer des petites histoires à se raconter, à imaginer. Et ça, je trouve ça extrêmement cool. Ok, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on casse les pierres autour ou justement on laisse les pierres pour que ça réchauffe encore plus? Par contre, c'est dommage, il n'y a pas d'herbe ici. Je sais pas si ça va brûler. Ouh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'espère pas que ça va rater. Bon, vous savez quoi, les amis, on va commencer par mettre de l'essence sur tous les œufs. Comme ça, au moins, ça va encore plus brûler. Allez, on met de l'essence. On se dépêche, allez, on les imbibe d'essence un maximum. Allez, allez, allez. Je veux un maximum d'essence sur ces deux œufs pour qu'ils brûlent un maximum. Allez, voilà, on les arrose bien, on prend notre temps. Toi aussi un peu plus, toi aussi je t'arrose un peu. Allez, on met beaucoup d'essence, les amis. Et le bidon est fini. Ok, magnifique. On va aussi placer le bidon juste ici. Ah non, il va exploser. Oh non, 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 ça allait faire exploser les œufs. Je suis un malade, moi. Est-ce que je peux placer une construction pas loin? Une construction en bois pour que ça brûle. Ouais, mais ça va les éclater là. Ok, magnifique, c'est bon. C'est bon, c'est bon, les amis. Ça éclate pas les œufs quand on met une construction. Par contre, ça a éclaté la carcasse de la daronne des dinosaures. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Attendez, est-ce que si je mets du bois ici, là aussi je peux? Magnifique. Par contre, j'ai peur d'en mettre là, hein. Si ça casse, les amis, on est mort, hein. Ok, magnifique, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va pouvoir faire brûler tout ça. Magnifique, les amis. On va remettre un peu d'essence. Allez, on met de l'essence, on met de l'essence, les amis. Désolé de vous faire patienter, mais j'essaie vraiment de faire l'expérience, de optimiser tout ça pour pas qu'elle se rate. Parce que je flippe un peu, les amis, de ce qui va se passer là. Ok, 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 c'est bon, on a mis assez d'essence. Et maintenant, les amis, avant que je balance les lucioles sur les œufs de dragon, je compte sur vous, les amis, s'il vous plaît, pour liker la vidéo. Voilà, là j'ai préparé mon énorme feu de camp. Regardez, les pierres tout autour, avec les feux de dragon au milieu. Je vais lancer le feu dans quelques secondes, juste avant que l'expérience commence. Je compte sur vous, les amis, pour prendre le temps de laisser un petit like. C'est bon, c'est fait. Merci beaucoup, je vous remercie énormément. Bon, les amis, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Attends, on va en remettre un petit peu d'essence, voilà. Voilà, on finit le bidon d'essence carrément. Tac, voilà, j'en mets un peu encore ici. Toi, prends ça. Ok, les amis, on est bon, je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti, les amis. Ok, ça commence à brûler. Oui, le feu de camp a pris. Oui, c'est bon, ça brûle. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les œufs de dragon vont éclore? Est-ce que les œufs de dinosaures vont éclore?
Attention les amis, nous allons savoir ça dans quelques secondes. Pour l'instant ça brûle. Ok, mes constructions se cassent vite, faut que je rajoute. Je rajoute des constructions, on en rajoute. Malheureusement les œufs de dragon n'ont pas encore éclos les amis. Par contre ils sont devenus beaucoup plus sombres, regardez. C'est comme s'ils ont brûlé. J'espère que j'ai pas tué les dinosaures ou les dragons qui se cachent dans ces œufs. Bon c'est pas fini les amis. C'est parti. Allez c'est parti, let's go. On reobserve ce qui se passe. Bon pour l'instant rien de spécial, il brûle, les œufs dragons sont en train de brûler avec cet énorme, ce géant feu de camp que j'ai créé de manière artisanale. Mais pour l'instant toujours rien, rien ne se passe, malheureusement. Ils sont bizarres ces œufs de dinosaures là, oh oh. Mais en même temps ça aurait été trop beau les amis que ça éclot, hein. J'allais pas non plus trouver un petit dino. Et qu'est-ce que ça fait quand je tape dessus? Ok, bon, j'en ai cassé un, il en reste plus que deux les amis. Oh, j'ai une idée les amis, je vais prendre une poule. Je vais prendre une poule et la poule va aider l'œuf à éclore les amis, voilà. C'est ça que je vais faire. Elle va protéger l'œuf, elle va essayer de le réchauffer tout simplement. On va tout essayer dans cette vidéo les amis, hein. Allez, je prends une petite poule, tu viens ici toi. Et on va essayer de la positionner sur l'œuf de dinosaure. Attention, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà on la rapproche. Bon, pour l'instant, elle s'en bat les couilles, hein. Tu veux pas les faire éclore? Tu veux pas être leur maman s'il te plaît, petite poupoule? Allez, s'il te plaît, occupe-toi de ses œufs, vas-y fais les éclore. Attendez, je vais essayer de la coincer dans le... ici là. Reste ici, non, reste ici. Pars pas, reste là. Tu dois faire éclore ses œufs. Allez, vas-y, c'est ton travail, vas-y. Oui, vas-y. Oh non, putain. J'ai cru qu'elle t'est montée dessus. Non, mais ça aurait été incroyable. Attendez, on va réessayer. Je vais mettre la poule ici. Et je vais brûler la poule avec les œufs. Allez, c'est parti. Comme ça, on va faire du chicken avec des œufs au plat. Allez, c'est parti. KFC, let's go. Oui. Oui, elle brûle. Elle court, elle court. Reste ici, poupoule. Reste ici, poupoule, n'aie pas peur. Bon, allez, on la laisse, les amis. T'es m'en dirais trop. Regardez, avec la teinte rouge et tout sur les œufs, ça fait trop stylé. Vous voulez vraiment pas éclore, hein, les œufs. Hein. Bon, dernière expérience, je vais mettre un bidon d'essence et le faire exploser, les amis. Alors là, si ça éclot pas, c'est que vraiment, il y a un sérieux souci. Eh, mais t'es revenu, toi? Ok, toi aussi, je vais te mettre là-bas avec le bidon d'essence. Allez, reste ici. C'est parti, les amis. Merde. Elle s'est mise devant le bidon d'essence. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, c'est parti. J'ai explosé les œufs de dragon. C'était une petite expérience plutôt cool, voilà. Bon, on savait un peu d'avance que ça allait pas se passer, mais bon, c'est ça aussi les expériences. Avoir un petit espoir, toujours, c'est ça qui fait le thème, qui donne envie de regarder la vidéo, c'est d'avoir ce petit espoir que ça fonctionne. On sait jamais, peut-être que Fortnite cache des petits mystères comme ça. Les amis, regardez ce que j'ai trouvé. Un petit bébé dragon. Oh, il est trop mignon. Petit bébé dragon, on va l'appeler. Si vous avez, les amis, des idées de prénoms pour ce bébé dragon dans les commentaires, n'hésitez pas à les marquer. Mais moi, je vais l'appeler Grogon. Voilà, je veux un maximum de cœur avec Grogon dans les commentaires. Et un petit like aussi pour ce mignon petit bébé dragon. Trop beau. C'est incroyable. Non mais je suis désolé, on vient de découvrir un truc de ouf. Juste à côté du spawn des œufs, il y a le PNJ Irex. En mode dinosaure quoi. Non mais Fortnite n'ont pas mis ça par hasard. On est d'accord les amis, c'est clairement le boss dinosaure. Attends, je suis choqué. Pour moi c'est clairement un clin d'œil pour dire que les dinosaures vont bientôt arriver sur Fortnite. Les œufs les amis sont juste ici. Ils sont ici, hein. À quelques mètres. Y'a, regardez, y'a le PNJ dinosaure, regardez. Mais c'est un truc de ouf. Mais c'est clairement un dinosaure. Non mais c'est plus un dinosaure qu'un humain ce mec. Attendez, quand on lui parle, qu'est-ce qu'il nous raconte? Utiliser la cape de chasseur, obtenir de la viande, arriver la faune de sauvage. Ok, bon, il nous dit rien de spécial. C'est intéressant en tout cas qu'il y a ce petit PNG dinosaure juste à côté des œufs de dino. Bah ça nous confirme en tout cas que c'est des dinosaures et pas des dragons. Ah bon, allez, on le laisse tranquille les amis. On va essayer au moins de faire un fight avant la fin de cette vidéo. C'est parti pour le fight. Et malheureusement je suis mort. Grogon, tu m'as pas aidé. Oh là là. Ah, je suis déçu de Grogon. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette petite expérience plutôt, voilà, plutôt drôle, un peu farfelue, hein. Je m'attendais à rien vraiment quand j'ai fait cette vidéo. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'il y avait 1% de chance que ça éclot. On ne sait jamais les amis, on verra dans les prochaines mises à jour. En tout cas merci à tous, n'oubliez pas, très important, de mettre le code COCO, K-O-C-O, dans la boutique Fortnite. C'était COCO, très bientôt.